Oui, frère, soeur en Christ, je vous signale déjà l'arrivée du pasteur. Oui, vous venez de suivre l'adoration, comme je vous ai dit aujourd'hui. Le culte d'aujourd'hui, c'est le culte d'adoration. Vous venez de suivre une grande adoration des différents musiciens. Ils ont adoré les dieux, ils ont montré la grandeur de Dieu, comment le Dieu est grand, comment notre Dieu est très puissant, comment notre Dieu est le Dieu de merveilles, le Dieu de produits, de miracles, comme je l'ai toujours dit. Je vous dis, vous nous excuserez parce que si vous remarquez bien, c'est comme si on a commencé avec un petit retard notre culte d'aujourd'hui en direct, mais ce n'est pas un problème, vous n'avez rien perdu. Je vous signale déjà l'arrivée du pasteur, le pasteur Claude Kabundi Walesa, comme moi je l'appelle la main des dieux, la main autorisée des dieux, il est déjà là. Je vous signale dans quelques minutes, vous allez voir comment il est en train d'entrer dans le temple. Vous venez de nous connecter sur cette adresse. Nous sommes Centre d'Orvet Spirituel qui est dirigé par l'évangéliste pasteur Claude Kabundi Walesa, le ministre de Défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Moi, je l'appelle la main de Dieu parce que c'est que lui, ce que Dieu fait à travers l'homme de Dieu Walesa, ça me dépasse. C'est pour ça que moi, je l'appelle la main de Dieu. Cela veut dire que Dieu a mis sa main en pasteur Claude Kabundi Walesa. Oui, bande konazib sabine, ok, pasteur Aza, déjà voilà, a commis kalamingite bozolanda ndengazo kita ndengazo kota na temple de revêt spirituel les lots sont la culte d'adoration de la zone sabino à la culte d'adoration, culte d'action de grâce. Il ya au nion son ambassade l'émission depuis lundi il est l'autre dimanche. Il faut topé sa action de grâce à toi adoré topé sa paix action de grâce n'est la zone sabino ok. C'est sous une grande louange, comme d'habitude vous le savez, quand on reçoit le pasteur louange à la kamakasi nazo signaler binoke louange à makasi, parce que vous-même vous connaissez que notre Dieu, le Dieu de Walesa, afin na kana louange tango louange à la kamakasi akitaka et puis azo salabika moi bao baza na maladie bazo zo guérison yango nazo binoke ndenge bozola nanga est déjà arrivé. Il y a pasteur Claude Walesa, dans quelques minutes vous allez suivre bozo landae déjà bozo landae ndenge azo kota temple de réveil spirituel. Yango na zebi sabino te e bolanda ambiance wapa, parce que na zebi sabino souvent ke quand soki bomoninga na tia kabino en direct na kito lelo. C'est pour ça que je vous dis, soyez connectés et vous allez suivre maintenant l'arrivée du pasteur évangéliste Claude Walesa, la main de Dieu, parce que dans quelques minutes vous allez suivre la prédication, la bouche autorisée et du pasteur Claude Kabundi Walesa. Suivez. Thank you.
C'est pasteur Wallace Salomi Moyao. Pasteur Wallace a dit bonjour. Yemise na Swahili Diambo Yako. Diambo Yako. Amen. Amen. Namoni yo yeba ka Swahili te. Yemise abari kani. Abari kani. Siko yo zomise na Swahili ya chuluba muzuji sana. Beta maboko makasi bona muzuji sana. Nazo pesa bino mbote nyoso au nom de Jésus-Christ.
Je vous salue vous tous au nom de Jésus Christ. Je vous informe qu'ici nous sommes au centre de réveil spirituel. Tous à croire la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons à la manifestation et à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Awa, toujours le baptême Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ici, nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Et puis, Awa, Tolobi, l'Éternel. Si nous disons que l'Éternel, Jésus-Christ, qui est Dieu, cela veut dire Aza, Likolo, Aza, le pouvoir, Likolo. Il y a Banzam, il y a malade, il y a situation difficile, il y a complication, il y a hasard bipolo. Ça veut dire qu'il est au-dessus, il a la puissance sur le blocage, les maladies et les situations difficiles. Amen. 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 Il y a un autre chose qui a conformé par disciples, Ndenge Jésus-Christ. Un format qui peut être disciple. C'est ainsi que nous sommes en train de former des disciples tel Jésus-Christ l'avait fait. Amen. Amen. Jésus a signé sa mission à Yé, tant que si ici, à Pessi, à hors disciples, Batikala qui mission. Jésus avait formé ses disciples et à la fin, il a accordé la mission aux disciples qui étaient restés. Amen. 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 Aïe, Bissi, Baboboye. Il leur a dit ce qui suit. Allez, Bokende, faites de toutes les nations des disciples. Bosala bikolo nyonso ba disciples nanga. Amen. Amen. Allez, Bokende, faites de toutes les nations. Bosala na bikolo nyonso des disciples. Ba yekoli nanga. Amen. Amen. Yamonde sous thème na biso alelo. C'est cela notre sous thème du jour. Thème na biso à base zanini. Notre thème de base est qui est Dieu? Nani azanzambe? Si ce n'est l'Éternel. Ce qui est à ses côtés. Amen. Gloire à Dieu. Nous levons la main. Tolobi, c'est l'Éternel. Nous disons c'est l'Éternel. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Au centre de réveil. Au centre de réveil. Beta Jésus-Christ ma boca. Acclame pour Jésus-Christ. Ainsi nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, nous pouvons nous lever. Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 16 à 20. Matthieu 28, le verset 16. À 20. Matthieu chapitre 28, nous lisons du 16e verset au verset 20 et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père.
du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir. Nous allons lire Marc chapitre 9. Verset 7. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Qui mieux va le couvrir? Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Car il ne savait que dire. Les froids les ayant saisis, une nuée vint le couvrir. Et de la nuée sortit une voix: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. Le verset 7. Une nuée vint le couvrir et de la nuée sortit une voix: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. 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 Bana nzambe na sote ya bino. Avant de Dieu, je vous prêche. Bana soye bisabino boye. Je vous dis ce qui suit. Amen. Amen. Soki olingi okende mosika na makambo ya nzambe. Si tu veux aller loin dans l'œuvre de Dieu, il faut ozala à l'écoute du Saint-Esprit. Tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit. Tchalo boko likolo. Lève la main. Dit: je veux écouter tout le temps le Seigneur. Amen. Amen. Jésus a dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples: quand ils sont allés à la montagne de transfiguration, amen. Amen. Place où là, Élie et Moïse étaient descendus à la montagne. Simon Pierre a déclaré qu'il voulait construire trois tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse et l'autre pour Élie. Il voulait les mettre en égalité, qu'ils soient au même niveau. Et puis à un moment, le nuée les a couverts. Et pourtant, dans la nuée, c'est la présence de Dieu. La voix est sortie. Regardez bien cet enfant que vous voyez. C'est mon fils engendré. Vous devez l'écouter. Quand on a dit cela, disparition peut salemi. Il y a eu disparition. Élie a disparu. Élie a disparu. Moïse a disparu. Moïse également. Balobité. Ils ont dit non. Amen. Hein? Amen. Ils sont toujours représentés côté prophétie. Non, nous représentons la prophétie. Nous représentons la prophète. Nous représentons les prophètes. Côté Moïse, nous avons représenté la loi. Moi, Moïse, je présente la loi. Amen. Hein? Amen. Mais Jésus a eu la grâce. Mais Jésus est venu avec la grâce. Pourquoi tu as le bon colicolo? Nous pouvons lever la main. Loba Jésus-Christ. Jésus-Christ. Fais-moi grâce. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu dit ceci: écoutez-le. Si tu veux aller loin en ce qui concerne Dieu, écoute Dieu.
Amen. 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 Yoka kanzamba. Écoute très souvent Dieu. Et tant que vous êtes ensemble sur terre, bouye. Quand le serviteur de Dieu prêche ainsi. Yoka kaye. Écoute-le. Parce que ensemble sur le banc Matthieu 10. Car Dieu dit à Matthieu. Jésus sur le banc. Jésus dit ce qui suit. Celui qui vous reçoit. Oh koyambabino. Me reçoit. Akoyamangai. Amen. Amen. Celui qui vous reçoit. Oh koyambabino. Me reçoit. Akoyamangai. Nenga na zalia wa. Ben Jésus. Nazo représenter Jésus. Je représente Jésus. Oya solo kanga. Celui qui m'écoute. Azolo kanza. Il écoute Dieu. Et que oya solo kanga. Et celui qui m'écoute. Atie en pratique. Et il le met en pratique. Bakamba na zolo ba. Ce que je dis. Sa vie change. Le bête m'a beaucoup marqué. Ça va bien fort pour Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Un disciple. Un disciple. C'est celui-ci qui suit les exemples de son maître. Amen. 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 Ils sont dans son angaïnabino. Nous tous, et moi et vous, nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes les disciples de Jésus. Écoute Jésus ce qu'il dit à ses disciples. Vous êtes mes disciples. Nous avons fait 3 ans. Je vous formais. Pour le moment, comme il tourne, Abino. Maintenant, c'est votre tour. Allez. Faites de toutes les nations disciples, mes disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Amen. Wow. Cela veut dire ayoke la bino. Ça veut dire qu'il vous écoute. Voilà la directive de la personne. Suivez les directives que je vous ai transmises. Quand tu lis dans Matthieu 5, quand tu lis dans Matthieu 5, à partir du verset 21, à partir du verset 21, vous verrez les prescriptions de Jésus après ses disciples. Jésus a accordé aux disciples. Donc on continue dans Matthieu 6. Et quand tu continues dans Matthieu 6, on se fait dans Matthieu 7. Et tu vas à Matthieu 7. Comment la prescription tu verras les mêmes prescriptions. Oh le Jésus-Christ. Lesquels Jésus-Christ prescrit dans la disciple. Avec transmis aux disciples. Quand tu l'as réussi, dans ce qui concerne la directive, suis le directif de l'entraîneur. L'entraîneur qui est Azali représentant Jésus. C'est le représentant de Jésus. C'est lui qui donne l'évangile. Il te donne le traité de suivre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et que ceux qui ont dit Kakayango. Et si tu le suis, la gloire, tu verras la gloire de Dieu. Jésus, ma acclame pour Jésus. Thank you.